Bonjour à tous et debout. Là, on est dehors chez moi. Puis, il vente un peu. Je sais pas si vous me comprenez bien. Mais là, on va faire une vidéo spéciale. On va aller sur ma trapeau. Je vais vous montrer, faire des petits trucs. Genre, si vous voulez vous apprendre à faire un front flip. C'est pas un bac, là. Je suis pas très bon. Fait que j'espère que vous allez aimer la vidéo. On va juste. Attendez. C'est vraiment dur. Je veux placer la caméra pour que vous me voyez. Ok, attendez. On va prendre les genres de coussins. Je sais pas si vous allez pouvoir. Ah oui. C'est parfait. Je sais pas où vous allez. Ok, attendez. En vrai. Ok, attendez. Si vous voulez pas. On a juste à faire ça comme ça. Ok. Fait que. Je vais juste. Et voilà. Et voilà. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Bon, première affaire pour faire un front flip, tu mets tes mains comme ça. Ici, je fais ça comme ça, ok? Ben non, la première affaire. Fais ça comme ça. Troisième étape. Ça. Ok. Ça. Fait que là, qu'est-ce qui donnerait ça comme ça? Qu'est-ce qui donnerait un front flip? Moi, je fais pas ça comme ça. Moi, je fais juste le faire normalement, ok? Je sais pas si je dois l'avoir, là. Et voilà. Comme ça. Pratiquez-vous. Quand vous allez l'avoir, je vous dis bravo. Parce que c'est de bien plier, de bien plier tes jambes, comme ça. Pratiquez-vous sur votre trampoline, comme ça. Comme ça. Pratiquez-vous. Et après, faites juste vous donner un élan, ça. Pour que vous allez vite. Au début, allez-y tranquillement, puis essayez de faire un front flip rapidement. Genre, comme ça. Comme ça, ok? Là, après, aussi, quand tu ratterris, tu mets tes jambes. Ça, tu ratterris, ok? Qu'est-ce qui donne? Je vais faire avec mes mains et puis je vais faire ça comme ça. Qu'est-ce qui donne? Ah! J'ai manqué là. Je serais supposé de ratterrir debout, ok? J'ai mal un peu aux jambes. Ok? Ça s'appelle front flip salto. En anglais, c'est un front flip. Comme ça. Ok? Deuxième étape. Deuxième exercice que tu peux faire. Un kaboom. Kaboom. C'est que tu viens.
tu viens mettre, c'est pour te pratiquer à faire un backflip. Tu viens mettre ton dos comme ça pour que ta taille touche, j'y pas, ok? Ta taille, faut pas qu'elle touche. C'est tout ton dos de partir d'ici jusqu'ici, jusqu'à tes jambes. Je vais montrer l'exercice là. Ça ressemble à ça. Ben, c'est ça. Comme ça, ok? Vous pouvez pratiquer. Ok? C'est de première étape, je vous l'ai montré. Ça comme ça. Vos pieds soient en l'air, ok? Après, c'est de vous pratiquer quand vous atterrissez, genre de faire un backflip. Comme ça. Là après, quand vous êtes bon là-dedans, vous le faites haut. Vous vous ratissez sur les jambes. Qu'est-ce qui donne? Comme ça, ok? Ça, c'était la deuxième. La troisième étape, la troisième affaire que tu peux faire, c'est un genre de... je me pratique tout le temps, c'est genre tu fais plein d'affaires, ok? Moi je vais appeler ça le cross-tal. Je sais que le cross-tal ça existe déjà, là, je sais même pas c'est quoi. Mais vous allez voir moi c'est quoi, ok? Pour commencer, sauter. Ok? Quand vous arrivez, il y a des barres ici. Puis moi, mon truc là, des barres ici là, des barres là, comme ça. Le bout là, la trempeau, moi ça m'aide beaucoup. Mais je vais essayer de le faire, ça c'est bon. Moi je suis chaud, j'avance. Quand je suis rendu au bord, je peux la faire. Je vais essayer de vous montrer pas ces barres là, pour que vous voyez. Qu'est-ce qui donne ça? Ok? Je sais pas si vous avez vu là. Je vais essayer de vous le refaire. Comme ça, ok? La première étape, sauter comme un mot. Okay? Genre comme ça. Après, avancer. Puis après, quand vous arrivez sur le bord, vous faites ça. Puis vous faites front flip. Après, vous tournez genre dans les airs. Qu'est-ce qu'il donne? Comme ça, ok? Pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker et de s'abonner. Ça me ferait beaucoup plaisir. C'est gratuit. Fait que.